Tac, ça c'est bon. Ah ouais, non, mais je peux regarder sur mon iPod, je suis con. Hop. Prendre ça au moins. Bon, je pourrais quand même vous répondre, ce sera bien. Bizarre ça. V'là bien. Ça aussi on va le fermer. Monter un peu le son du jeu, je pense. Ouais. Ça pas de mal. Ok. Bon, on va aller s'amuser. Récupérer le coffre ici, c'est gratuit. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme quête? On finira les quêtes normales et puis on fera les trucs en ligne après. Faire là, allez, le roi de la découpe, très rigolo. T'aurais tué ces bouts. Nickel. Allez, Taillou! Alors, est-ce que j'ai des images perdues? Non, pas du tout. Putain, miraculeux. En tout cas, sur portable, ça rend vachement bien. Bad bug. Merde, je vais monter dessus pour prendre appui. Oh merde. Bon allez, hop, jusque là, rien. Le roi de la découpe. Alors attendez, avant de se lancer dans cette quête, je vais faire une intro si jamais je la poste sur YouTube. On pourra se mettre là-haut.
Bug un peu ici, hop, nickel. Yo, bande d'orangers, ici le Matt. On se retrouve pour un petit live en douceur pour le 14 juillet. Voilà, je fais ça en douceur parce que déjà il fait chaud. Donc ça va avec douceur. Et aussi parce que j'ai pas envie de trop faire du bruit. Donc voilà, pour l'instant je suis tout seul. On verra s'il y aura du monde après. Déjà des chieurs, j'ai pas commencé à jouer. Bouge plus. Voilà. On va commencer ça avec une petite enquête. Le roi de la découpe. Bon, d'après ce qu'on voit, on a eu droit à un pêcheur. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Ces papiers sont destinés à un patient que l'on vient de libérer. Il se prétend des pêcheurs. Hmm. Alors je vous invite à chercher près du fleuve. Un autre patient s'est évadé il y a quelques semaines. Vous pouvez examiner leurs cellules. Ils sont au pied des marches. Nickel. Ah, c'est un asile ici, très bien. Merde. Pas faire chier lui. Alors, qu'est-ce qu'ils disent par ici? D'accord. Le mec, c'était vraiment. Il est pas dans l'asile pour rien, quoi. Que mon bras s'est infecté. Un chirurgien a cru que ça lui donnait le droit de le couper. J'ai cru mourir de douleur. Cet endroit est un tout petit peu creepy. Y a rien d'autre ici? Ah si, là y a un bouquin. Page d'un journal médical, après des Léonard, planche d'anatomie humaine pour s'en charger, qu'elle aussi une liste de patients avec leur adresse. D'accord. Chirurgien et un pêcheur. Quel est le plus adepte de découper?
Il y a d'autres indices dans la zone que j'aurais pas regardé. Attendez, le lit il est encore en doré. Ce n'est pas normal. Ça aurait dû disparaître. J'ai pas dû regarder comme. Ah non, mais j'ai regardé le cadavre, ok. D'accord. Bon, ok, d'accord. C'est un grand malade avec un hameçon en fait. Le grand malade. Un truc dessous. Ouais. Laisse tomber. Ici, je crois qu'on a tout vu. Oui. On va aller sortir un peu du cimetière. Pour l'instant, c'est pas très festif, hein, j'avoue que. Oh, bonjour. Tu m'as pas vu. Voilà, très bien, très rigolo. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est des coups d'enfoiré. Il est où? Ah lui, ils sont chiants seuls. Ah non, pas du tout en fait, j'ai rien dit. Ah si, c'est relevé, what the fuck. Très bien. Alors, qu'y avait-il ici? Très bien, très rigolo. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit lui? Que voulez-vous? Mon chef est un bombardier, une Ah. chirurgien pitoyable. Merde. Ses clients me permettaient de gagner un peu d'argent, sans intermédiaire. Bon. Un barbier qui se dit chirurgien. Un fou qui se dit pêcheur. Pour l'instant, je sais pas qui est le plus apte à démembrer des trucs. Mais ça m'a pas l'air encore assez corsé. Alors, je sais plus où on n'a pas regardé. Donc là-bas, c'est l'asile, on a dû déjà y aller. Là-bas, on n'y est pas allé. Que le jeu est fluide de mon côté, je sais pas ce que ça rend sur le live. Mais. Alors là. Bonjour monsieur, vous êtes qui vous? Aidez-moi, ma femme a disparu. Elle revenait juste de la boucherie, mais lorsque je suis monté dans la chambre, elle avait disparu. Il y avait du sang partout. Je crois que c'est le sien. Je vous en prie, aidez-moi. Ouh là là, ça commence à partir en couille. Ah non, mais ça c'est le journal. Il n'y a pas d'autres indices. Ah, si, à l'étage. Ouais. C'est peut-être un peu haut. On redescend d'un coup. Hop. Alors, effectivement, tout en partant de la maison, il y a peu de problème que sa femme soit encore en vie. Oui, mais d'accord, mais c'est le corps qu'on a vu au début en fait. C'est qui a été tué au moins. Viande crue provenant d'une boucherie. Non, mais vire-toi le truc, putain. Donc elle est revenue. Visiblement qu'on veut récemment, la boucherie doit se trouver à proximité. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est quoi? Sa femme s'est défendue. Compte tenu de l'état de la maison, elle a dû donner du fil à retordre à l'agresseur. D'accord. Ouais. D'accord. On est allé à gauche là? Ça doit être la boucherie ici.
voir un peu ce que t'as comme instrument, toi. Le Fender. Le Fender. Ma foi, une espèce de fou marmonnait à propos d'un corps qu'il avait trouvé. Je ne sais rien de plus. C'est louche. Ça vous dira un morceau de porc? Mon aide peut vous en tailler un mot. Il est arrivé il y a quelques semaines. Un garçon stupide, mais doté d'un véritable don. Oula. Il me laisse enfin du temps pour aller à la pêche. Oula là. Oula là. Oh putain. Je veux juste travailler. Je n'embête personne. Vous voulez quoi? J'ai du travail. Putain, mais vous êtes tout suspect en fait, c'est un truc de fou. C'est un des deux minimum. Non, mais je vais pas regarder ça, je veux la carte. Hein. Donc, on est parti de l'asile. Donc le corps est ici. On a visité l'asile, on peut accuser personne. On peut accuser soit ces deux-là, on allait là, soit ces deux-là. Donc je vais aller au port encore, parce que ça se trouve, il y a encore d'autres pêcheurs. Par contre, on va buter ces couillons là, parce qu'ils me cassent les couilles. Voilà. Ils cassent pas les couilles. Bonjour. J'étais en train de pêcher il y a quelques jours. J'ai trouvé un corps. J'étais dans le fleuve, sans bras ni jambes, comme je ne savais pas quoi faire. Je l'ai emmené au cimetière. Désolé. Le problème, c'est que ça ne dit pas. Donc ça ne dit pas qui l'a tué. Ça peut fausser les pistes. Attendez, il n'y avait que lui ici. Non. Ah. Attendez. Apparemment féminin, écorcheur récent au poignet. Je vais pas l'accuser tout de suite, même s'il me paraît bien, bien suspect lui. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas d'abord. Tellement mis en piste qu'ils sont impossibles à identifier. Waouh, le fendoir. Non, bah laissons bien, je crois que c'est le boucher. Attendez, il y a encore un dernier truc. Et les lettres, c'est toujours important. Ah, il y a deux trucs encore. Putain. Je sais vraiment pas qui. Je crois que je vais accuser tout le monde parce que. Non, c'est rien. Je vais accuser un peu tout le monde parce que là je suis perdu, franchement. Lui, ça va, il m'a pas l'air trop de suspect. Mais les deux là-bas, waouh. Je sais pas. À moins que je me sois trompé que ce soit le chirurgien du début. Mais... Le mec qui était affolé, il me dit rien qu'il aille. Lui, là. Allez. À moins qu'il soit juste vraiment stupide. Laissez-moi couper ma viande. Tant de viande à couper, si peu de temps. Ah, j'étais sûr. Enfin, sûr, non, j'étais pas sûr. Mais c'est ce qui me semblait. Verdict. Verdict. Tant de viande à couper. Je ne peux pas m'arrêter. Jamais. Ouais, donc c'est un psychopathe. Monstrueux. Je n'irai plus jamais à la pêche dans ce coin-là. Jetez un coup d'œil et prenez l'arme de votre choix. Très bien. Lâcheron d'officier. Voilà à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle était en plus, elle était grisée avant? Non, c'est pas là. Lourde. Elle est assez belle. Hein. Je te le dis.
Mais je préfère ma clé mort. Alors, où va-t-on? Où va-t-on, va-t-on? On a toutes les petites quêtes. J'aurais bien fini, il me reste une enquête, une quête. Ça, c'est réglo. Enquête, une quête. Et ensuite, je fais un peu dans le lit. Fantôme rouge des Tuileries. Ah, attendez, il y a un clampin à droite. Viens ici. Merde. Oh non. Fait de la merde. Bon, j'ai fait une bavure. Aïe aïe aïe. Ça pique. Ça pique, ça pique. Bon, très bien, allez. 300 mètres, ça devrait aller, c'est pas trop long. On fera un peu de parcours. Avec mon petit Link. Bon, il ressemble pas beaucoup, mais ça donne un air que j'aime bien. Pourquoi tout ce vacarme? C'est le 14 juillet, vieux. Alors, je pensais qu'il ferait quelque chose pour le 14 juillet, mais bon. Rien de spécial. Attendez, il y a un coffre là. Prendre le coffre. Je finirai quand même par une espèce de quête qui se sera en rapport avec la révolution, hein, bien évidemment. Yolo! Ça, j'ai pas compris quand même. Je sais que la scène n'est pas juste au bord, mais j'aurais quand même pu faire en sorte que tu puisses sauter directement. Attends, il y a deux clampins ici. Ça fera un peu de combat. Allez hop. Ça va pas. Non, finalement, non. Je voulais en taper un peu, mais. Ouais. Bon, lui, il est complètement con. Oh, il y a un coffre là-bas. Très bien. Allez chercher, c'est gratuit ça. Hop. Hop, 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 hop. Tranquille. Toi tu m'as pas vu. Non mais, bon MDR, hein, t'es là. Je voulais pas mais c'est pas grave. Peut-être devoir couper le micro là. Oula les drapeaux. Révolution, révolution. Oh encore un criminel. Allez. Allez, fais la fête toi. Alors. Comment on rentre dans ce foutoir? Une porte là-bas. Ah, là, il y a une fenêtre, très bien. Hop, allez, rentre dedans. Nickel. Je sais pas si ça fait partie du. De l'histoire que la porte soit fermée, mais. Merde, oulala. Je suis un peu rouillé là-dessus. Ok. Mais Erdo, vous êtes sérieux? Hop. Hop, nickel. Putain, ouais, pourtant d'habitude ça passe mieux. Oula, bonjour. Attendez, je me permets de prendre ça. Ouais, merci. Bah, désolé. Ah, Baudouin. Ça me rappelle. Ça me rappelle. Comment s'appelle il? Les enquêtes, la speed détective. Montre une série de détails importants et aujourd'hui vide. Un créditeur demande le remboursement de billets sans provision. Le relevé mentionne l'adresse du personnel de bord. Bon, ça m'a l'air un peu facile, un peu trop simple que ce soit juste une histoire d'argent. Mais... Mon très cher Gabriel, tu imagines même pas l'émotion qui mettra quand j'écris ça, mon mari a découvert notre liaison et des furieuses tempêtes. Ah. Brigitta von Gluck. Donc il a aussi une relation. En fait, le mec, déjà, il a deux problèmes.
Ensuite, citoyen Baudouin, vous avez cette invitation de soirée intime chez nous, rue des Prouvaires. Et toute notre affection, Friedrich et Brigitta von Gluck. D'accord. Et le corps, il a rien à dire. Un homme d'âge moyen, le crâne transpercé. D'une balle, apparemment. Ah, d'accord, d'une balle. Apparemment par suicide. Tient toujours un gelé pistolet rouge, le canon à la bouche. Ah ouais? Il est où le flingue? Bon, bref. Hop, il reste une lettre. Est-ce qu'il a d'autres problèmes dans sa vie, le mec? Non, celle-là. Très estimé directeur des finances. Les événements et opérations vont sans doute bouleverser. Si je peux me souvenir de quelques commentaires, mon adresse personnelle. Ok. Je sais pas. L'histoire du. Ah, bonjour. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et on s'est tous précipités pour voir ce qui se passait. Spectre rouge. Je pense que c'était le spectre rouge. Voilà quelques nuits, je l'ai vu de mes yeux. Au détour d'un couloir, je l'ai aperçu disparaître par cette porte. Tout habillé de rouge, le visage déformé par une horrible grimace. Étrange. Ça me dirait en tout cas. J'ai vraiment entendu les bruits étranges. Et même la voix du fantôme. À travers cette porte. Baudouin était seul dans son bureau. Et le fantôme a parlé avec un accent terrifiant. C'est arrivé plusieurs fois. Il y a forcément un des mecs qui ment. Doit être vrai. Il y a longtemps, un meurtrier bavard oh, a putain. Été exécuté près d'ici. Et depuis son fantôme, un spectre rouge hante le palais. Oh putain. Vous avez vu la peinture? Elle est apparue hier. Je m'appelle Le Gall, conseiller du directeur des finances au Il s'est enfermé dans son bureau il y a plus d'une journée. Ça faisait un moment qu'il était agité. Quel dommage qu'il ait fini ici. Bon, comme par hasard, le fantôme est bavarois. Et je pense que la nationalité de son amante, voire maîtresse, doit être aussi bavarois. Mais ça conviendrait trop facilement aux circonstances, encore une fois. À moins que ce soit de la simple logique, mais. Je sais pas. Je sais qu'il y a certains énigmes qui sont corsés, donc c'est pour ça que j'ose me poser la question. Hop, Taillot. Alors, hop, on montait là. Putain, c'est blanc là. Alors, avant qu'il y ait un trou du cul qui me tire dessus. Pas une fenêtre ouverte? Une porte peut-être? Oui, une fenêtre. C'est pire que Link dans les Zelda, hein, le truc. C'est, on rentre même plus par les portes pour péter les ponts, on rentre par les fenêtres. Par contre, c'est très rigolo, mais s'il n'y a pas d'escalier, ça me sert à rien de rentrer ici, en fait. Donc, donc, ah si, attendez, c'est peut-être en bas en fait, maintenant que je réfléchis. Tic, 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 tic. Non, j'ai pas l'impression. Hein. Ça, c'est encore le journal, ouais. J'ai jamais lu le journal dans le jeu. Si je trouve, c'est intéressant, hein, mais j'ai jamais pris le temps. Bon, à mon avis, ça doit être sur l'autre façade. Hein. Je sais pas. Aucune idée. Regardez derrière. Il y a un Roger, mais. Là, bah là, c'est. Oui, non, mais là aussi, ça me passe. Comment on rentre dans sa piole? Pas possible, ça. Il devait bien y avoir matière de rentrer, non? À moins que j'ai raté les escaliers, mais. Quand même. À moins que. Attendez. Peut-être que on peut rentrer à droite pour aller à gauche. Non. Peut-être par le toit. Ça arrive des fois.
Ouais, ça me paraît assez flou, hein. Non, ouais. Ah si, parle-toi. Ouais, si, j'aurais dû regarder. Par contre, si tu pouvais descendre, ça peut être nickel. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est qui lui? Bon, il est bourré. Je sais même pas comment il est arrivé là, d'ailleurs. Et allez, descends. Faut que tu prennes l'échelle, t'es sérieux? Bon. Bon, il y a un coffre, ça fait partie de mon enquête. Droit de passage. Ouais, petite horloge à côté. Oh, sérieux. Non. Putain, je vais pas y arriver. Voilà. Ah, attendez, je cherche un escape. Je regarde juste vite fait. Ok. 2000 francs, c'est pas mal. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une lettre ici déjà. Dieu voulait conseiller le Gall. Ces apparitions, quelles que soient réelles ou imaginaires, plongent mon cœur dans l'horreur. Je jurais avoir vu des objets de mon bureau se déplacer par leur propre volonté. C'est comme si le fantôme hantait les murs derrière mon bureau. Je sens la raison de m'amener et je me fie à votre sacré. Que dois-je faire, Baudouin? Que dois-je faire, Baudouin? Et sinon, il y a quoi ici? Là, une pile de livres. Arbre généalogique, en tant que le Gall est descendant direct de la. En ligne directe de Johannes Metzger. Bon, alors le Gall, ça en fait un peu un. Enfin, un suspect, un tout petit peu. Supplie pour confirmer nos conversations en raison des récents effets. Accéder à la série du 7 un bout d'un des chroniques sur le passé. Alors soit c'est le fèvre, voilà, qu'on vient de voir, parce que ça lui fait une place excellente. Soit le Gall, il est en complot avec le fèvre, et du coup, c'est lui. On va aller voir chez les autres. Il est où le coffre? Non, il est en terre. Oui! Désolé. Alors, je sais plus où j'en étais. Il y en a 150, 200. Ok. On va aller là-bas. Oh! Oh merde. Merde, il y avait juste une pub. J'étais un peu triste. Hop, épicier, ouais. Nickel. Allez, carry on. Qu'est-ce que c'est ici? On est où? Alors, entrer dans une zone d'enquête, tant mieux. Nombreux cadavres de bouteilles de schnapps. Ah, là on est chez les Von Kluck. Comme ça dehors, je fais mon enquête. D'accord. D'accord, donc ils avaient. Donc ça, on a vu tout à l'heure dans la lettre. Ils avaient des soupçons. Alors là, ça doit être Madame Von Gluck. Mon mari est d'un naturel très très jaloux, mais il n'est pas homme à tuer qui que ce soit. D'accord.
Je ne réponds pas aux gens du petit peuple. Oula. D'accord. On peut, tu peux parler avec ma mon épée du grand peuple si tu veux. Bon, lui, ça doit être juste une réaction. Peut-être normale, j'en sais rien. Attends, on va se barrer. On va aller voir ailleurs, parce que ça me paraît encore trop simple pour l'instant. Pas assez de détails. Hop. Hop, allez, fais une roulade. Ah, j'ai quand même pris des dégâts. Ouais. Faut pas déconner. Hop. Hop. Tac au tac. Alors. On va passer à côté, ça fait tomber une trop grosse structure à escalader. Ok, ok. Alors. Ah, les criminels. Merde, j'ai raté l'autre. Détracter la gueule. Ah merde, c'est là. Comment on rentre? C'est pas ouvert ici? Vers en dessous, en tout cas. Bon, il y a des ennemis, on va s'en débarrasser. Ah merde, c'est à côté. Ah bah voilà. C'est curieux, c'est fermé ici. Bon, plus pour longtemps. Oula, là il y a du truc là. Chez Mastouf, ceci, c'est que je ne fais plus partie des vivants. Les incessants bruits et apparitions du fantôme me font lentement perdre l'esprit. Je vois partout du rouge, y compris dans mes rêves. Charmel, ne me reste qu'une seule que de mettre fin à ce cauchemar. Ça a l'air très mystique comme cette quête. Notre ruse a fonctionné. Aucun des joueurs ne vous suspecte car vous avez tout perdu. Vous avez aussi tout perdu. Votre compte en banque secrète déborde. Vous n'aurez jamais à vous soucier d'argent, mon ami. Votre créateur. Boîte de fiole pantin. Ouais, putain. Bon, il doit y avoir du poison dans l'air, hein, quand même. Tu vois, lui qui parle. Des livres et documents consacrés aux opérations du fantôme rouge des Tuileries à travers l'histoire. Les années comme 561. Un de mes jeux. Ah, Johann Metzger en Bavara. D'accord, Jean l'écorcheur. D'accord. La jurée de venger de la couronne lors de son exécution. La logique voudrait que ce soit son arrière-petit-fils, mais bon. Mais bon. Oui, effectivement, là, il y a tout le matos. D'accord, d'accord. Bon, restez d'ici. Attendez, qu'est-ce qu'on n'a pas beaucoup vu? On est allé voir là. Là, on a dû passer devant. Et là, il ne reste que cet endroit là. Je sais pas si on y allait. J'ai dû rater des trucs, je pense. Quoique, non. Et je crois qu'on n'est pas allé là-bas. Je suis pas sûr. J'ai un doute. Dans le doute, on va aller. Merde, non, pas par là. C'est merdique ici. Dans le doute, on va aller voir. On va aller voir le Gal, qui me semble le suspect le plus le mieux placé. Voilà, là il y a du people. Par contre, il faudrait que je tourne à droite, ouais.
Là, c'est révolution comme qu'il y a comme climat. Hop. Tiens, un petit coffre, il est en bas. Ouais, on va chercher. Tranquille. Sésame, ouvre-toi. Oula, un saut désespéré. Donc on va voir si on y est allé. Si on n'y est pas allé, je vais aller voir le gal. Mais non, mais tu l'es. Bon, bah, très bien. Non, il me semble pas être venu ici avec tout le bordel qu'il y a. Non, je suis pas venu. Et lui, c'est qui? C'est peut-être le fèvre. Oui, c'est moi qui ai préparé l'élixir. Sans ce l'effet et de dégager une odeur désagréable. Baudouin est venu pour acheter une potion qui éloigne les esprits. Ah. Je lui ai dit que c'était stupide. Mais il m'a grassement payé pour concocter ce liquide. Ça n'a ni queue ni tête, hein. Sur ce point. Bon, en gros, il était complètement terrorisé, mec. Y a rien d'autre ici? Non. Bon. Est-ce qu'on peut accuser le mort? Si jamais. Par contre, le gars, je crois. Oui, non, le gars, il est sur le. Ouais. Il est sur la scène du crime, normalement. Ça devrait aller. Encore un voleur, putain. J'espère que c'était pas aussi fréquent, parce que là, c'est abusé. Viens ici, toi. Nickel. Hop. Attends, je suis sûr que j'y suis allé là? Ouais, mais oui, ça doit être la maison de. Ouais. Bon, si j'ai tout compris et que j'ai raté aucun détail, je devrais être bon là. Bonjour. C'est un mec qui saute de caisse en caisse, il s'amuse. Ah, nickel, il y a une entrée. Hop. Alors, merde, qu'est-ce que tu fous sur le canapé? Allez, hop, tac. Je m'appelle le gars. Allez, toi, je t'accuse. C'était un faible. J'aurais fait. Ah bah voilà. J'ai agi au nom de la patrie. Bonne déduction. Bon, en même temps, là, j'avais tous les indices. Hein. Je crois que c'était la dernière quête. Elle a bien pris 20 minutes, je pense, cette quête, hein, quand même. Bon, je pense que je vais pas faire trop durer le live. Hein. Je sais pas, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est cool. Hein. Tout est bien. Mais grand Dieu, c'est lui qui s'est tué. Pourquoi suis-je ici? Putain. Je ne suis toujours pas convaincu de l'innocence du fantôme. Mais il nous faut un coupable. Ah d'accord. Nickel. Le pistolet orné? Oh, attendez, ça m'intéresse. C'est le dernier? Ou pas du tout? Je trouve pas du tout, hein, mais... Non, pas du tout, ça doit être... Ah, c'est celui-là. Ouais, il est stylé, hein, mais bon. Je pourrais prendre celui-là, il est rigolo. Celui-là, il est stylé aussi. Alors, celui-là fait mieux avec... ouais. Donc, au final, c'est juste pour le style, quoi. Celui-là est rigolo, là, regarde. Bref. Alors. On va regarder si c'était le dernier.
Récit parisien. Meurtre à résoudre. Donc, c'est-à-dire qu'il reste deux quêtes. Donc, il doit rester un meurtre. Meurtre qui est. Je ne sais où. On va d'abord faire la quête. PC qui est en train de souffrir un minimum là. Oula, oui, il souffre beaucoup même. Voilà, en fait, je finis le jeu avec vous. C'est un peu n'importe quoi, mais je me suis dit que ce serait une petite bonne idée. Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de gens sur le live. Mais bon. Vous regarderez ça sur votre iPod, ce sera très rigolo. Je sais pas si c'est fluide, étant donné du. Étant donné le. la température de mon PC, quoi. En tout cas, j'ai zéro image perdue et j'ai un débit bien supérieur à ce qu'il demande, donc globalement, c'est du bon. Hein. Ah bah nickel, je me disais, il est où le tas de foin, mais il a sauté direct dedans. Hop, allez, carry on. Il y en a un autre, non? Parce que j'ai pas envie de m'éclater sur le sol en fait. Ok, c'est bon, là je peux sauter. Voilà, nickel. Donner de l'argent au mendiant. Ah, nickel. On fait comment? Comment on fait? Merde! Oh fuck! Comment on fait? Non! Je me suis trompé de bouton. Putain. Ah mais quel idiot, je vais leur donner de l'argent, je dirais. C'est tellement ironique. Ah putain. J'ai mal au ventre en plus. Force de rigoler là. Enfin bon, bref. Putain les pauvres. Tenez-moi, ma famille ne va pas survivre. Toi non plus. Ça c'est trop triste. Allez, on se dépêche. On va voir ce que c'est comme quête, ça peut être rigolo. Ah, un petit coffre là. Des ennemis? Même pas, nickel. Là. Petit coffre tranquille. Ça on aime. Hein. Hop. Hop. Merde. Et voilà. Voilà. Très très bien ça. Très nickel ça. Hop. Ah yes, il fait beau en plus. Ça change un peu. On va couper la cloche juste pour couper la cloche. Voilà, voilà, ça fait des points, très bien. Des ennemis ici? Non, c'est bon, je peux avancer. Ah si. Bon. Qu'est-ce que tu fous sur l'épouvantail, toi? Taille-toi. Oups, désolé, 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 j'ai pas fait exprès. Souille. Allez, taille-toi. Hop, ninja. Ouh, ninja. Oula, putain, ça pique les yeux. Alors, quelle est la quête? Le royaliste s'est emparé de plusieurs canons, mon capitaine. Si nous attaquons, ils vont nous cribler de mitraille. Je pourrais te faire Joachim Murat. Bonjour. À cet instant, nous sommes au bord de la guerre civile. Ah, pas bonne idée. J'ai besoin d'un homme courageux pour infiltrer la position royaliste et neutraliser ces canons. Dès que je verrai la fumée, je donnerai l'ordre d'attaquer. Ok, dac. On va enlever le HUD, ce sera plus stylé. Enfin, presque, hein, ça enlève pas tout, bien sûr. Mais... Oula, d'où il y a des ennemis partout, par contre, 2 minutes là-haut. Par contre, je vais peut-être prendre une meilleure arme, parce qu'elle est bien cool celle-là, mais elle est pas la plus puissante. Aïe, oh, oh, se calme. Aïe. Non mais, non, t'es pas sérieux? Oh putain. Ok, on va changer de stuff. Je pensais que je serais plus résistant. Putain, c'est chargement. C'est peut-être le seul point négatif du jeu, mais bon. Chargement de folie. Hein. Qu'est-ce que ça rend? Je regarde maintenant ce que ça rend sur mon iPhone. Très rigolo. Ça, c'est assez joli.
Ça va le temps de chargement, ça va, c'est pas trop long. Attends, en attendant, je vais régler le son, je vais augmenter le son du jeu. Attends. Sans déconner quoi. Personnalisation, préparation, arme. Bon, on va prendre l'arme. Complètement cheatée d'ailleurs. De. Voilà. Tiens, je pirate l'amélioration parce que de toute façon ça sert à rien, c'est putain de truc pirate mes couilles. Ouais. D'ailleurs si je peux le faire sur le reste de mon équipement que. Parce que c'est mon équipement secondaire ça, mais. Hop, je pirate ça. De toute façon je pense que j'ai complété quasi le jeu, donc. Il y a un bug un peu, hein, au passage. Hop, allez, on pirate. Ouais, de toute façon je pourrais pas faire plus. Taïo maintenant, Taïo. Taïonara. Ok, nickel. On s'en va les déglinguer. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'ennemis comme ça. D'ailleurs, là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Non. Je sais pas. Où est-ce qu'il y avait des ennemis? J'ai pas compris pourquoi il y avait autant d'ennemis d'un coup, en fait. Pourtant, ça m'a l'air tranquille. Hein. Ah. Oulala. Et c'est là qu'ils sont les ennemis. Ok. Non. Putain. Hop. Qui a vu ça? Allez, toi, passe devant. Allez, viens. Viens, mon petit. Ouais, il me fait chier. Mais. Alors. Hormis celui-là. Hop. T'es mort. Oh putain, ferme ta gueule. Aussi. Oh merde, il y en avait un autre. Oh non, mais non, si vous aussi vous y mettez, je vais jamais m'en sortir. Hein. Oh putain. Ouais. Ils vont pas venir jusque là les autres quand même. On va faire. Je pense qu'on va foutre le zbeul. Hein? Hop. Voilà, quand je dis foot le zbeul, j'entends déjà. Voilà. Hop. Là, on va bug exploit un petit peu. Voilà. Désolé, mais bon, c'est pratique. J'utilise. Ah! Pardon, monsieur. Je ne vous avais pas vu. Oh putain. C'est vrai qu'ils sont niveau 4 ici quand même. Ils rigolent pas. Hein. Alors, lui, il est distrait. On va le buter. Oh putain, il a mis sa race. Hein. Oula, il n'avait pas compris ce qu'il a fait, lui. Nickel. Voilà. Nickel. Il y aurait, du coup, il reste que deux rouges. Mais pas lui, bordel de merde. Bon. Ah bah, nickel. On va juste s'occuper de lui. Nickel. No problem. Ah si, si, problème. Ah, toi aussi, putain. Nickel. Alors, saboter. Pas fini? Oh. Ils sont combien dans cette ville? Non mais, laisse-moi le finir. Merci. On peut me courir après quand même. Si? Oh putain. Nickel, il n'y a rien senti. Mais vous aussi? Oh là là, pff, la galère.
Ta gueule. Hop. Oui, il vient d'où lui? Viens ici. Non. Et tu... Ce n'est pas la cloche. Je vais jamais finir hein, s'ils en appellent au fur et à mesure que je les tue. Quitte. Hein. Ah, je crois que c'est fini. Putain. Ça va, on n'aura pas trop foutu le bordel. Non, pas lui. Mais je m'en fous de lui. Je vais saboter le... Bon. Si vous voulez. Ça vous fait plaisir. Faut se mettre où pour le saboter le bordel? Là. Tac. T'as les mecs devant, ils passent. Il y a des morts partout. T'sais. Allez, sabote-moi cette merde. Bah voilà. Ah, faut les utiliser. Oh oh. Tayo. D'accord. Fuir le secteur. Eh, j'ai besoin d'en faire qu'un en plus, c'est ça le pire. Bon d'accord, alors là je suis triste. J'aurais pu bourriner sur un. Ah bon. Ça va pas... De fuir le secteur. Il est large comment le secteur? Parce que j'ai pas envie de me barrer trop loin en fait. Bon tant pis. Hop, on va sauter dans la flotte. Je crois que c'est bon là. Ouais, 10 000. Nickel. Nickel, nickel. Bon. Ça faisait 14 juillet ça. Du coup, je sais pas vraiment où sont les derniers. Où sont la dernière mission de. Ah bah là, il y en a une. Allez, on va saboter des trucs encore. Et puis on fera peut-être une mission multi et puis on sera à travers, je pense. Ça ira bien. Ça fera une petite heure et demie, je pense, de live. Ah, du bruit de fond. C'est pas grave. Hop. Peut-être couper le micro un moment. Rien d'important, c'est juste pour que vous ayez pas de bruit de fond. Ah, c'est Dumas, lui. Les sympathisants royalistes veulent faire savoir au prince Ferdinand que nous sommes vulnérables. Des royalistes fomentant une invasion autrichienne. Dangereux. Dangereux et désespéré. Nous devons agir au plus vite. Si nous sabotons les tours Chape, le message ne sera pas transmis. D'accord. Cela laissera à mes hommes le temps de se retrancher. Ok, putain, il y en a partout. On va commencer à se faire celle là-bas, puis on fera le tour. C'est bien mis en place en tout cas, j'aime bien. Au seuil, il y a encore des glandus qui vont me courir après. Oh putain. Ah mais c'est les bleus qui me tirent dessus là. Oh putain. Alors là, j'ai cassé le jeu. Je vais y aller comme ça. Hein. Tac. Oh putain. C'est bien dangereux un peu là. Pourquoi il y en avait autant? Il y en a trop. Oh putain. Ah,
Et j'ai pas le temps avec vos conneries. Putain, ils sont insupportables. Y'en a trop. Il rappelle en plus. Je vais mourir. Putain, ça arrive. Bon, bah ce sera un gros massacre. Je sais pas si je finirai la mission, mais... Merde. Jamais ça s'arrête, hein. Voilà. On va se cacher un moment. Quel bordel. Oh putain, je vais jamais m'en sortir. Bah et tant pis. Oh, ça passe. Ça passe. Tac. 173 mètres, c'est pas la prochaine cible. Non mais regardez-moi ce tas de cadavres. Bon, on va les finir au moins. Gros psychopathe. Ok, allez, Tayo. Je sais pas vraiment comment j'ai fait pour survivre, mais bon. Ça, c'est un autre problème. Ils appellent ça les chapes, mais comment ça s'appelle déjà? Des télégraphes, en fait. Non, pas télégraphe. Télégramme, peut-être. Je sais plus. Non, t'es... Je sais plus. Bonjour. Je suis caché. Ok, je suis pas caché. Oh putain. Alors là, on va faire du découpage. Un par un, on va les faire. Oh putain. Ce qui me fait vraiment peur, c'est pas les mecs aux épées, c'est vraiment les mecs avec les armes. Hein. Bon, ils m'ont saoulé. Merde, merde, merde. Putain, ils sont saoulants. Toi, tu vas partir. Ah. Je suis obligé de faire ça à chaque fois, là. Bon bref. Oh putain. On va se tailler. Bon, pour l'instant c'est positif. J'aime bien la petite musique qui se calme comme ça derrière. On va changer de tenue, tiens. On va prendre mon moi original, enfin original, celui que je prends d'habitude. Non, il est où? Ah là. Ah, vous devez entendre la petite famille derrière. C'est pas grave.
Tac. Le reste c'est pareil, je crois que j'ai laissé la même chose. Ouais. Alors, on va changer les couleurs. On va mettre ça en turquoise. Voilà, là il y a Mouteki là. Hop. Bon, on va garder cette épée, c'est très bien. C'est joli, jaune et turquoise. Bon, est-ce qu'il y a autant de clampins? Parce que ça se trouve, je peux la jouer discret. Mais... Bon. Allez. Avec un peu de chance, on n'en tue que 4. Alors là où je suis caché. Bonjour. Et eux, ils ont rien vu, tu sais. Quelqu'un a eu la peau de Renault. Suzanne veut. Quelqu'un a eu la peau de Renault. C'était Bob. Quelle horreur. C'était Bob. Non. T'as rien vu. C'est bon? C'était net et précis, ça, non? Oh, énorme. On aurait dit un vrai assassin pour le coup. Bon, à part lui qu'on va détraquer. Voilà. Pour le goût. Je crois qu'on va s'arrêter là après, en fait. Hein. J'ai la flemme de continuer, mais bon, ça aurait été bien rigolo. Je pensais pas que je réussirais cette mission. Hein. Je pensais que j'aurais ragé dès le premier. Bon, je l'ai pas encore réussi, je peux encore mourir. Mais il y a déjà moins de chance. Alors, on va analyser le bordel. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un garde ici qu'on pourrait... Hop, si tu pouvais aller emmerder tes potes. Il craque le mec. Non, t'es sérieux? Bon, au moins il est tout seul. Merde, 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 merde. Bon, tant pis, ils sont que 4, ça ira bien. Bon. J'ai mal géré. Ça va, c'était pas... Hop. J'aime bien le sang sur leurs uniformes. T'as coupé quoi au juste là? Nickel. Je crois qu'on a fait toutes les quêtes, hein, quêtes secondaires, il me semble. Voyons voir. Ah non, il en reste une, putain. Est-ce que je l'ai fait? Non, à mon avis. Bon, allez. Allez. Allez, allez. Bon. C'est Monsieur Alexandre Dumas, quand même. On va y aller. Hop. Putain, je sens qu'elle va être trop lourde. Allez, très bien. Ouais, tu m'étonnes. Allez, on va là-bas. Par contre, la puce est un peu chiant. S'il y avait un slash time death, ce serait pas plus mal. On va passer par-dessus. Enfin, pas time death, weather cleaver plutôt. Truc qui n'a rien à voir. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais je dois être dans une zone interdite. Ah. Bon, je cours plus vite qu'eux en principe. Oh putain. Oh putain. Et je devais bien me douter qu'il y ait des ennemis. Oh, j'ai fait de la merde. Oh, le nombre. Oh le nombre, je crois qu'on va pas la faire cette mission en fait les gens. Bonjour. Je m'incruse, désolé. Oh, ils sont tous niveau 5 en plus. Waouh, wow, j'ai plus de munitions. C'était du suicide d'y aller. Hein.
crois que c'est un peu du suicide. Oula, la musique qui bug. Mais arrête de prendre des coups au pif là. Non mais ça va pas être possible, le nombre de gens qu'il y a, c'est un truc de fou. Merde, je fais n'importe quoi. Foiré. Non, mais non. Bon, si je meurs, j'arrête tout par contre. Merde, je me suis trompé. Wow. Qui t'a tué toi? Oh putain, je suis avec des idiots en plus. Bon. Là, on va viser ceux qui me visent. Merde. Ok. Oh merde, il y en a encore. Ah. J'ai ma proie. Je pourrais me voler et me barrer en fait. Ah non, je vais pas pouvoir, je crois. Hop. Des vilains par milliers. Oula. D'accord, lui il a pas voulu l'attaquer pour une raison qui m'échappe. Oula, c'est bugué, c'est bugué, c'est bugué. Ok. Il veut pas l'attaquer. C'est bugué. C'est complètement bugué. Mais tape-le! Je vais mourir comme ça. Sans avoir rien pu faire. Mais regardez encore là. J'ai quoi là-dedans? J'ai des pétards. Oh putain, non mais c'est impossible. On va revenir là pendant qu'il n'y a personne. On va essayer de voler ça vite fait. Allez, 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 allez. Nickel, on se taille. Muteki. Désolé. Je m'en vais. Waouh. Quel bordel. Je suis à combien de live là? Non mais ça va, j'avais dit une heure et demie. Bon après avec un peu de montage. Oulala. C'est quoi, c'est Matrix? C'est bien fait hein. Bon. Comment vous dire que je pense que du coup on va s'arrêter là en fait. Ah bah non. J'allais vous faire une outro puis ça s'est débloqué. Putain mais j'ai pas compris ce qui s'est passé par contre. J'ai jamais vu ça. Hop, allez grimpe. Voilà, très bien. Putain, quel bordel ça aurait été ça. Bon, il reste que deux, ça va. Le pauvre Dumas. Ah, ça rebug. Et je crois que... Enfin, à mon avis, c'est lié à Internet, hein, parce que le jeu ne crache pas, vu que les choses sont encore en mouvement et tout. Enfin, je veux dire... À mon avis, c'est un bug Internet. J'ai ouvert ce machin. Ouais. Un peu... Putain, par contre, non, il faut qu'on... Avant d'attaquer... Non, il faut... Mais regardez, c'est n'importe quoi. Bon. Il nous faut un... Ouais. Je sais pas si ça a débugué de cliquer sur quelque chose, mais bon, si jamais, on va essayer la prochaine fois que ça le fait. Si ça le fait trop, par contre... Si ça le fait trop, je laisserai tomber, hein, parce que là, c'est insupportable, quand même. Bon, là, ça... Non, là, c'est supportable. Mais si ça continue, ça va vite le devenir, je crois. Mais regardez, j'ai pas envie d'avoir le jeu en slow motion, quoi. Enfin, pas, c'est pas du slow motion, en plus, ça fait... Tu peux faire des belles captures d'écran, c'est ça le pire, en fait. Je pense que c'est le moteur physique qui s'arrête, je sais pas. Moteur graphique marche, mais physique s'arrête, je sais pas comment expliquer, mais...
Regardez. Ça veut rien dire. Même la feuille est au ralenti. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Peut-être c'est mon PC qui est trop chaud. Oh putain, oui. Allez, tout ravitaillé. 33 000, ça coûte cher. C'est à peu près le prix de la mission, quoi. Non, par contre, si elle refait encore 5 fois, je vais me laisser une limite de 5, mais... Regardez, les trucs chargent mal. Non, à mon avis, je suis au bout de mon PC, quoi. Je vais redémarrer après. Pour moi, parce que... Mais j'avais jamais vu ce genre de bug, en fait, par contre. J'avoue que... Ah, je suis en train de te le faire en semi-stealth. Personne ne comprend. Ah bon, alors toi... Ah, toi j'ai pas compris. Hop. Nickel. Non, la bombe servira à rien, je pense, gros. Je veux pas te blesser. Non. Ouh, c'est lui. Oui, c'est vrai que je pourrais les voler en fait. Maintenant que je... Regardez ce qu'on va faire, les mecs. Voilà. Nickel, je crois que j'ai trouvé la technique. Taille au maintenant. A plus. A plus. Puis j'ai trouvé un remède. Nickel. Oh putain. Il y a un fou furieux qui essaie de me poursuivre. Ça y est, on est repassé en mode screenshot là. Allez, on peut la finir, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire, on peut le faire. On peut le faire. Par contre, c'est excellent. Hein. Si on pouvait le faire nous-mêmes comme ça, ce serait cool. Hein. Ça va bugger dans 10 secondes, là, vous allez voir, je vais faire de la merde. Je sais pas si c'est à cause du live, si c'est un impact. Non, je pense sérieusement que mon PC est autobot. Regardez les textures qui chargent plus, quoi. C'est peut-être la RAM qui est pleine. Attendez, je vais regarder vite fait. Ouais, je vais même pas essayer, je vais finir ça avant que ça bug. Et à mon avis, c'est la RAM qui... Ouais, ça peut être que ça. Par contre, c'est bien fait parce que ça ne crache pas. Et normalement, quand il y a plus de RAM comme ça, ça crache souvent. Donc là, c'est assez bien fait au final. Bon, ça se trouve, ça a craché avant que je finisse la mission, mais bon. Au pire, on aura fait un petit live, c'est rigolo. Ah oui, oui, c'est vrai que ça, c'est pas le plus intelligent à faire. Je vais pas... Regardez, même ça, ça a pas chargé, quoi. Bon, il est où le mec voler, on va faire comme tout à l'heure, on va le trouver, on va le buter, on va mettre une fumée. Ça ira très bien. Alors, où est l'enfoiré de service? Ah, il est là. Oh, nickel, en plus j'ai des alliés à côté, ça va faire diversion. Oh, oh non, il est sous la terre. Oh, bordel de Dieu. Et je parie qu'on peut rentrer que par là. Ouais. Oh, putain. Je vais tenter ce qu'on appelle un passage en force, par contre. Là. Ce que je fais à chaque fois, quasiment, mais bon. Là, ça va être force pure. Hein. Hop, vous m'avez pas vu, j'espère. Parce que je fais le con, en fait. Alors, attendez. On peut peut-être faire quelque chose d'intelligent, on va voir. On va tester. Si ça attire tout le monde et que j'arrive à passer, je suis un génie par contre. Ça n'a pas du tout marché. D'accord. Alors là, je me sens un tout petit peu con par contre. Ok, plan numéro 2. On fait la même chose, mais mieux. Merde! Oh non! Il a pris dans le crâne, ce con. Bon, ok.
Bonjour, je suis Xé. Ça ne doit pas marcher. Ok, taille. Je sais même pas comment je suis passé. Ok, c'est par où. Ça va être par là. Ok, il y en a qu'un, il y a un petit coffre très rigolo. Ah, personne ne l'a vu. Nickel. Ok, ouvre le coffre. Ok. Par contre, avec le moteur qui bug un peu, c'est un peu chaud. Tu sais pas quand ça va tomber dessus en fait. Mais non! Voilà. Nickel. Très rigolo. Putain, ça valait le coup. Ça valait le coup. Alors. Je suis caché. Bah oui, tu m'as vu le trou du coup. Oh bah. Le meilleur. Hop, toi aussi. Ah non. Attendez 2 minutes les mecs. Ah c'est lui. C'est lui. Ok, on remet ça. On le vole. Mais arrête! Bon. D'accord. T'as envie de débuter. On va se les faire. Enfin, ils sont pas très compliqués. Il suffit de bourriner un peu. Hop. Par contre, s'il y en a un autre qui arrive, je serais très triste. Voilà. Nickel, nickel. Plus que stay d'ici. Ouh, attendez, il y en a une dernière. Ouh, la merde. Ah non, non, c'est bon, il fallait juste rendre au mec, je me disais. Oh, ouais. Ouais, je sais qu'il est plein le cafetière. Putain, il reste encore. Ah oui, c'est vrai que je suis passé en mode balèque. Non, attendez. Non, c'était là à la sortie. Bonjour. Je l'avais pas vu. Putain, c'est un vrai ninja ce Arnaud. Ça veut rien dire. Hop, allez, 300 mètres avant la victoire. Peut-être 300 mètres de bug. On ne sait pas. Putain, il n'y a aucun air frais en plus, c'est ça le pire. Rien pour rafraîchir un tout petit peu l'ordi. Je crois que je vais mettre le ventilo à côté parce que sinon je pourrais plus jouer quoi. Hop. Tac, tac. Tac, c'est pratique ça. Putain, il n'y a rien qui charge quoi. C'est abominable, regardez. Il y a un jeu en carton quoi. Pourtant, il est beau ce jeu. Non. Désolé, j'ai pas fait exprès. On va faire le tour. Bah, nickel, on va faire le tour, ça ira très bien. Allez, avance. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Il y a un coffre là-bas, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Oh, le tour vite fait, hein, vous savez quoi. Hop, très rigolo. Les invalides, très valides. On dirait que c'est fermé comme ça, mais en fait, pas du tout. Alors. Pas d'autre garde. C'est bon, je peux avancer jusqu'à Dumas. Ouais. On a fini la quête. Ouais, c'est bon, même s'il y en a une autre, je m'arrêterai là. Hein. Putain, elle aura bouclé en 10 minutes, sinon. Celle-ci vient de ma mère, Marie Cécep. Celle-là de ma sœur, vendue comme esclave quand elle était enfant. Putain. Ces missives n'ont pas de prix à mes yeux. Oula. What the fuck? Eh, hey, enfoiré. Toi, le lâche. Chien des voisins. Bon. J'étais dans le truc, là. Du coup, est-ce qu'il y a une quête qui s'est débloquée, non? Ou c'était la dernière? Par contre, je vois pas la dernière. À mon avis, la dernière... Attendez, on va regarder vite fait la suite de progression.
Ah, récit parisien, il en restera. Et Mars Radouche, je sais pas. Enfin... Soupçon de poison. Ah, le dernier. Bon, ben, je ferai ça plus tard. Je ferai ça dans une. Voilà, dans une vidéo sûrement. Mémoire de cartouche. Ah, dernière aussi. Bah, deux dernières. Bah, je ferai ça dans le prochain. Je ferai un épisode en placard Steam, je pense. Ouais. Je ferai ça dans le placard Steam, je pense. Les coffres 50%, putain, et pourtant j'ai l'impression d'en prendre partout, quoi. Les cocardes, ouais, j'en ai pas pris beaucoup, parce que tout simplement ça me saoule. Il y en a même à Versailles, t'es sérieux. Oh là là, il y a trop de trucs. Bon, allez. Sayonara les gros. Petit 14 juillet tranquille. Vous pouvez vous endormir sur vos deux oreilles. C'était le mat, à plus.